parler sans ton esprit. C'est ton esprit qui fait toutes choses. Vraiment, ne sois pas ici pour une réunion communale. Ne sois pas ici aussi pour une réunion. Vraiment, Seigneur, Père, les hommes, nous sommes là, ô éternel Dieu, célébrer ton nom. Tu as dit dans ce nouveau Jésus-Christ que Père, nous sommes faits de servir, d'adorer, de louer tes âmes. Seigneur, Père, te recommandons à ta présence, parce que tu as dit dans ta parole, là où nous sommes assemblés, crions à toi. Tu es présent, Papa. Viens, Papa, nous faire connaître ce que nous n'avons jamais vu. Par les louanges, les adorations, toutes sortes de prières, Seigneur, à ton égard, Père. Merci, Papa, pour ceux, ô Jésus, qui sont encore à la maison. Permets de précipiter, permets de mettre, ô Seigneur, cet amour à leur cœur, afin que vraiment, Seigneur, se presser dans ta maison, Seigneur. Merci, Père, parce que nous déclarons, Jésus, ô Jésus, je déclare pour l'ange Gabriel, l'ange plutôt Michaël, oui, Seigneur, ces anges débordent dans ces lieux, débordent dans ces lieux saints, dans ces lieux sacrés, dans ces lieux véritables, dans ces lieux d'adoration, pour manifester. Pour manifester, parce que Père, c'est ça que tu nous as appelés, non pour d'autres choses. Permets que Père, ce moment soit possible par ta présence, par ta présence, par ta volonté. Permets que Seigneur, tout ce qui se fera soit en tes mains. Condamne tout, parce que tu es le Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Libère de tout ce qui est ivré, qui est scellé, qui est vraiment Seigneur, qui a mission dans ce lieu, pour vraiment empêcher, Seigneur, ce moment n'est point s'accomplir. Père, prends le contrôle, permettre, Seigneur, les choses soient possibles. Au nom de Jésus-Christ, te recommandons tout ce qui est ces choristes, ces chants, tous ceux qui sont là, même ton peuple si présent, Papa, nous te les recommandons vraiment dans ton sang et surtout dans le creux de tes mains. Et que Père, de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes ce soir réunis pour un concert, une louange d'adoration, de célébration à notre Seigneur. Ce concert a été expliqué par le groupe In God's Presence qui a sa première édition. Je voudrais qu'on acclame ce groupe-là. On va être passionné. Amen. Nous aurons la participation de plusieurs hommes de Dieu. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Mais à l'évocation de votre nom, mon Dieu, je voudrais que vous souleviez nous sommes amis comme ça. Et que nous puissions nous recevoir en qualité d'homme de Dieu. Alléluia! Clamez le Seigneur pour la vie. Je n'ai pas entendu quelqu'un acclamer le Seigneur pour la vie. Le papa, loin de nous recevoir dans son aide, en fils. Amen. Alors je vais vous inviter à venir donner un mot de bienvenue à tout le peuple de Dieu ici rassemblé. Amen. Soyez la bienvenue ce soir. Je sais que plusieurs d'entre nous sommes là pour expérimenter quelque chose de différent. Amen. La raison pour laquelle vous êtes venu ici, c'est de rencontrer Dieu encore par le canal de ce groupe. Amen. C'est que Dieu te bénisse par ce groupe. Amen. Amen. Avez-vous vu comment on avait des gens? Il dit quelque chose de puissant dans ce passage-là. Et nous adorons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand tu adores ce que tu connais, il y a une manière d'adorer la chose. Et donc, notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est le Dieu qui a créé le monde entier. Donc, vous êtes ici à la rencontre d'un Dieu suprême. Celui que vous avez entendu parler. Amen. Il est le roi des rois, des saints, des sages. Donc, tu es la bienvenue dans sa présence, car dans sa présence, tu reçois des présents. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Plus tu acclames, plus tu vivras.
Alléluia. Tu vois l'église un peu trop là. Tu vois, tu vas bien comprendre tout à l'heure quand on a commencé ta journée, pas te pénétrer. Amen. Ici, quand tu rentres en présence de Dieu, Dieu va te donner quelque chose. Amen. J'aimerais vraiment bénir le nom de Dieu pour ce groupe et spécialement le visionnaire de ce groupe qui est le président Baka Baka et toutes les personnes qui travaillent avec eux et avec lui, dans moi, que Dieu vous bénisse infiniment. Une fois de plus encore, vous n'allez pas regretter ce pourquoi vous êtes là. Et je sais que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Bien avant de déposer le micro, je peux te dire qu'il y a la puissance dans la musique. Et quand on parle d'adoration à notre Dieu vivant, quand Dieu est satisfait de ton adoration, bien aimé, tu bénis. Et je veux te dire que si tu es venu à l'église m'arrêter ici, le son de la voix de ce groupe-là, tu seras délivré. Dieu te répondra au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Merci. Soyez bénis, mon Dieu. Alléluia. Et pour les groupes, pour le privilège aussi, pour l'heure de venir louer notre Seigneur. Nous avons le groupe Carmen Voice. Parce que le représentant, le chanteur est déjà présent. Ils ne sont pas encore arrivés. Nous avons le chant de la vie. Que le Seigneur bénisse. Donc vraiment, effectivement, il faut connaître la profondeur des choses. Alléluia. Parce que le fondement de toutes choses au niveau spirituel, c'est la parole. Alléluia. L'enseignement. Amen. Si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours frustré des choses. Alléluia. Nous allons prier pour cette petite exhortation. Seigneur, merci en ce matin, ce soir, et que nous commandons ce moment de la connaissance. Parce que tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, tu l'as dit. Permets que ce moment que nous allons passer, Seigneur, les exhortations, et surtout aussi ce moment de louange, tu l'as dit, louer Dieu, c'est prier deux fois. Seigneur, merci. Prendre ce contrôle et permettre que le Seigneur, le Séraphin, soit vraiment positionné pour ce moment. Et qu'à travers, Seigneur, ces moments de louange, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait même, Seigneur, ce que nous avons jamais vu. Oui, Seigneur, des prodiges et des merveilles. Prends le contrôle que nous enseignez au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons prendre ici, c'est une petite exhortation. On va ici là-bas, la Bible. C'est sur ça que je vais m'appuyer. J'ai au moins un peu la directe là. Voilà. Combien de minutes? 10-15. Alléluia. Je vais faire mon mieux. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, nous allons prendre nos pieds. Nous allons prendre vraiment nos pieds. Nous allons prendre ici 2 Chroniques 5, 10, 14. On a dit 2 Chroniques 5, 10, 14. Je vais lire rapidement pour quelqu'un, si une personne a. Amen, la Bible peut lire pour moi. Je dis des 2 Chroniques. 2 Chroniques 5, 10, 14. Donc ici, j'ai le Louis, comment on appelle français courant, pas Louis Simon. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tablettes que Moïse y avait placées à Horeb. Lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte, les prêtres sortis du lieu saint, tous les prêtres présents étaient vraiment purifiés. Rituellement, sans tenir plutôt compte de l'ordre de passage, vraiment des places auxquelles il appartenait. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté et de l'autre l'autel, avec des cymbales, des luttes et des livres. Il y
avait là Asaph, ce sont les familles qui louaient, qui adoraient, qui faisaient des plaisirs dans la maison de Dieu. Il y a là Asaph, la famille Asaph, la famille Emman, Yotoutou, avec leurs fils et les membres de leurs parents, pour l'éventuel de fin né, sans fin prêtre, se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ici, regardez un peu les chants. Les chants étaient choisis par Dieu. Ce sont les familles. Alléluia. On les a cités ici tout à l'heure. On a dit ici, il y avait qui? Il y avait la famille Asaph. Amen. Il y avait la famille Asaph. Il y avait aussi. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Alléluia. Voilà. Il y avait Asaph, il y avait Emma et il y a Toutouma. L'autre côté, je ne sais pas si c'est la même explication. Alléluia. Donc ici, voici ces trois familles, ces grandes familles qui étaient choisies. Et là, pour commencer, ces gens, c'était des personnes qui réellement qui avaient. D'abord, même avant de commencer, excusez-moi, je suis un peu chaud. Qui est chant? Qui on appelle chant en bon français? Parce que ce que je me suis, j'ai recueilli dans le dictionnaire, un chant, c'est une personne qui chante, qui loue, qui glorifie Dieu par le fils religieux. Alléluia. Par le fils religieux. Il ne fait que faire ça. Alléluia. C'est ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il a, c'est qu'on l'a confié comme une mission. Alléluia, comme aujourd'hui, les cinq ministères qu'on parle. C'est un ministère pour la personne. Alléluia. C'est ça le chant. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses. La Bible dit que le choix depuis les Lévites, d'abord même ces trois familles appartenaient aux Lévites. Quand on parle des Lévites, on parle de ceux qui sont choisis pour servir qui? Dieu. Alléluia. La famille des Lévites n'aurait tout qu'à faire qu'être dans la maison de Dieu et de servir réellement Dieu. Donc regardez un peu, c'est depuis les Lévites, depuis la famille, qui sont les tribus de Lévites qui ont été choisis ces personnes. Il n'y a pas eu d'autres personnes en dehors de l'Église. Donc c'était le choix d'abord. Il faut que tu appartiennes d'abord. Ça sont les critères à respecter. C'était de la famille, de la tribu, de l'Église d'abord. Alléluia. Avant d'être choisi et d'être chant. Ça c'est la première chose. Amen. Donc l'établissement est au dépens du Seigneur. Parce qu'il était le chef. Le Seigneur est le chef de l'Église. Moi, je suis, je ne choisis pas chant. Comment il s'appelle? La personne. C'est le Seigneur qui choisit. Il n'y a pas les beaux yeux. Je ne vois pas ta voix pour dire que non, tu es chef. Non. Alléluia. Et là, il peut témoigner. Là où je suis, c'est le Seigneur qui t'a dit sa chance. Converti, en fait la délivrance, parce que Dieu parle. T'es qui? Parce que tu es, et puis tu commences à travailler. Alléluia. Amen. Voilà, parce que là où tu n'es pas, là où tu ne dois pas être, si tu es, c'est un problème. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu ne dois pas être, parce que tu ne peux pas regarder parce que tu es un beau garçon, bon, le Seigneur vient chanter. Non. Qui t'a mis là? Alléluia. Amen. Regardez un peu le choix, regardez comment les choses ont été faites. Alléluia. Le choix du Seigneur est clair. C'est quoi? C'est irrévocable. Il faut que tu sois Lévite. Après Lévite, tu as le choix. Après le choix, tu chantes. Ou rien. Que le Seigneur bénisse. Donc ici, on sait dans Jérémie 1:5, avant que tu deviennes, le Seigneur déjà t'avait conçu et établi comme prophète des nations. Alléluia. Donc ça veut dire que là, c'est biblique. Qu'il y ait un choix de la part de Dieu. On ne s'élève pas parce que tu as une belle voix et on ne sait pas d'où tu viens et puis on t'établit comme chant. Alléluia. Donc ici, Jérémie 1:5 en bas pour comprendre que les chants étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui étaient toujours sous la surveillance des sacrificateurs et des guides, des prophètes. Alléluia. Ce sont aussi leur ministère à eux. On ne doit pas jouer avec. Alléluia. Alléluia.
On continue. Ce sont des personnes qui travaillaient dur pour une vocation importante pour le royaume de qui de Dieu. Non au profit d'un homme. Alléluia. Non au profit d'un homme. C'est un ministère. Il suit une maman comme comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Constance. Constance, elle était quoi avant quand elle travaillait? Elle était professeur d'anglais. Alléluia. Amen. Dans un collège. Dieu l'a toujours laissé ça. C'est pas là que je t'envoie. Alléluia. Et elle a laissé. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle fait autre chose? C'est ça. Alléluia. Tu dois être capable de Dieu. Et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'aime bien cette femme parce que elle ne se mélange pas. Tu vas pas voir dans ses comment on appelle ses tableaux de publicité que Constance chante avec telle personne. Je n'ai pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours seule. Avant de venir tenir le micro, Dieu lui dit va chanter. Et quand elle chante, c'est l'onction qui dégage. Alléluia. Ce n'est pas venir être vide, et puis faire danser à la sueur, et puis chacun retourne parce qu'il est venu. Alléluia. Amen. Ça ne se fait pas. Que le Seigneur bénisse. On continue. Ici aussi, les chanteurs, ils avaient leur famille, ils étaient combien? 128 personnes. Esdras 2, verset 41. Qui constituaient, comme je l'ai dit ici, bon, ça c'est lui second, Asaph, Emma et Judithom. Voici des familles chantent dans la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs veillaient. Tu es pur, tu n'as pas droit à chanter. Tu es pur, tu retournes là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Alléluia. Rien n'est contrôlé. Ton cœur chargé, tu viens, tu prends le micro, tu commences à chanter. Alléluia. Alléluia. J'ai pas assez de temps. Donc ici, les choses étaient surveillées. C'est-à-dire, réellement les choses étaient faites. Le corps, le verset 10 qui disait que dans le corps, il y avait les commandements. Un chante doit connaître la parole. Amen. Ce qui chante doit être vraiment toujours biblique. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui. Mon fils m'envoie sur son portable. À l'enfer, il n'y a pas le coup. À l'enfer, c'est quoi? Il n'y a pas quoi? Kabato. C'est un certain casse quoi? Boudou bien, c'est pas quoi? Alléluia. Excusez-moi du terme, je ne dénigre pas. Mais où est ce qui est public dedans? Où est ce qui peut édifier? Où est la parole? C'est-à-dire l'onction, l'esprit de Dieu, où ça y est? On parle à l'oco. Tu as fait quoi à l'oco? Alors que ça c'est de la chair. Et on prend, on est là, on dit c'est un chant. Tout le monde est chant. Amen. Alléluia. Donc ici, les sacrificateurs, les prêtres, les prophètes se sanctifiaient. C'est dans la Bible, on vient de lire dessus. Se sanctifiaient. Tu n'es pas sanctifié, tu retournes. Tout était pur. Ils étaient allés quoi? Blanc. Être allé blanc. C'est quoi? C'est une révélation, c'est une manière de dire, tu es pur et tu viens, tu tiens le micro. Alléluia. C'est ça le chant. Que le Seigneur bénisse. Et on continue. Les chants avaient cette sémence de connaissance au niveau des traditions spirituelles, c'est-à-dire la foi, la consécration. Moi, je connais le nom de Dieu. C'est par lui que mes yeux ont été ouverts spirituellement. Vous pouvez le connaître. Le prophète Nazaré Didier. Alléluia. Le groupe Éden. Il y a le groupe A, il y a le groupe B. C'est le groupe A qui aujourd'hui qui fait la tournée. Le B est là. Alléluia. Amen. Le monsieur s'assoit là, où l'homme de Dieu assis. Et puis vous jouez. Dès qu'il y a une petite erreur, il y a une erreur. Il parle mal. Dès qu'il vous jette le regard, vous rectifiez. Alléluia. Non, rectification. J'ai vécu avec Éden. Alléluia. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est ça le chant. Ayam Soko, j'ai vu ça sur YouTube. C'est deux sœurs qui chantent. Les deux sœurs, elles ont chanté, elles ont déposé le micro, elles ont commencé à faire la délivrance. Alléluia. Moi, je fais ça ici. Elles ont commencé à faire la délivrance. Les démons sortaient. Il y avait l'onction partout. Mais qu'est-ce qui a été? C'est la parole. C'est la manière de se tenir.
ta présence avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. N'importe qui ne peut pas venir imposer, mais quelqu'un qui chasse des démons. Alléluia. Pourtant, c'est qui? Ce sont des chants. Elles ont été reçues, elles ont communiqué sur cette sémence de Dieu, leur Père. Alléluia. Et les choses sont là. Amen. Amen. Donc, un peu cela. Tu ne peux pas être chant les buts. Il n'y a pas d'onction. Tu chantes le monde, tu reviens un peu parce que ton problème, c'est quoi? C'est ton ventre. Et même on doit soi-disant Gomboïs. Gomboïs s'est quitté au bout de l'affaire de Dieu. Et même des gens qui ne sont même pas qualifiés, qui n'ont aucune vie spirituelle, on leur fait jouer des instruments. On sait que notre tête est mise à prix. Si toi ta tête est mise à prix par le diable, tu vas laisser les... Non, écoutez, c'est pas normal. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois t'en servir. Fais très attention. Alléluia. Alléluia. Le vrai peut venir par l'instrumentiste. Ça sera une double vertu, une porte ouverte pour l'église. Alléluia. Je connais l'église même. Peut-être que le frère, mon fils peut le connaître. Mais ce sont ces erreurs qui ont fait que j'ai l'église est tombée. Je n'ai pas dit son nom. L'église est tombée aujourd'hui. Puisqu'elles ont rasé par une machine, ils ont déposé d'autres habitations dessus. Ce sont des erreurs, il ne faut pas. Alléluia. C'est ça le chant. Alléluia. C'est un ministère en fait. Tu n'as rien d'autre que ça. Tu vis de ça. Et tu dois rendre à Dieu à ça. Des chocs. Prenez un moment de veiller. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Vous réussissez, vous faites des veillées dans la semaine ou même dans le mois. Et puis Dieu vous parle. Parce qu'il y a des choses et en même temps, serviteurs et servantes. Moi j'ai deux là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Tout est révélé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les frères, je crois que les frères font passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible dit qu'ils étaient vraiment en commun accord. Là encore, c'est un problème. Non, toi tu chantes mieux que l'autre. L'autre aussi chante que tu as l'autre. Ça devient quoi? Division. Répandez-vous sur là. Regardez-moi, je respecte toi dans une église. Toi, département. Dans l'intercession. Il y a le groupe musical. Et puis l'homme de Dieu. Si ces trois-là sont touchés, l'église prend chaos. Alléluia. Yes. Je vous dis la vérité. Surtout l'intercession et puis chante. C'est pourquoi vous devez vous observer. Alléluia. Yes. Vous voyez les sacs. Ils ont dit quoi? Les sacrificateurs veillaient, les prêtres veillaient. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voyons des charognards. Qui sont des quoi? Des chants. Alléluia. Yes. Est-ce qu'ils connaissent la signification des chants? Chants, est-ce qu'ils connaissent? Ah. Non. Tu ne peux pas tenir le micro et puis commencer à chanter. Alléluia. Amen. Tes chansons même n'ont rien. Il n'y a pas d'inspiration spirituelle. Il n'y a ni les paroles bibliques. Mais quand tu chantes, il faut que toi-même là, tu sois édifié. Pour que tu édifies le peuple. Yes. Alléluia. Amen. La personne n'a pas passé dans la personne d'a vie. En fait, la personne d'a vie avant des témoignages. Quand il chantait, il a toujours le micro. Mais il y a une soeur qui avait toutes sortes de problèmes. Alléluia. Il y a une chanson qui dit que les princes sont sur par terre, qui marchent par terre, et puis les esclaves sont sur les chevaux. Exactement. On a mis ça là, c'est un chant vraiment qui a une profondeur. Alléluia. Si on veut décortiquer, ce n'est pas du jeu. Vous voyez, mais une personne qui a une situation pas possible, en écoutant ce chant attentivement, Dieu intervient. Alléluia. Et ça, c'est biblique. Amen. Amen. C'est pas tous ces chanteurs, ces chants que tu veux écouter la musique. Faisons très attention. Il y a des chants qui ont des esprits, qui ont des lieux de famille qui les fatiguent. Peut-être qu'ils sont dévoués ailleurs, ça va marcher. Viens tiens, prendre le micro pour chanter. Parce que moi là j'ai chanté, j'ai fait sortir des albums. Donc vraiment, mon domaine là, c'est chant. Sans même connaître sa vie. Tu nous donnes le micro et c'est parti. Alléluia. C'est parti. Vraiment, faisons vos plantations. Amen. Il est simple. Amen. Alléluia. Beaucoup prennent le risque d'avoir
Moi, ça me fait rire. Amen. Amen. L'homme de Dieu, lui, il veille sur sa vie, sa famille. Il veille aussi souvent sur le peuple. Toi, tu vas décider ta vie, venir prendre le groupe et t'arrêter ici. Mais les flèches qui vont lancer, tu peux esquiver. Alléluia. Tu n'es pas chanté en vie, tu es même là pour chanter. Mais tu risques ta vie. Alléluia. Tu risques ta vie. C'est un problème de comment on appelle, de principe. C'est un problème de quoi? C'est un problème spirituel. Alors, les gens qui veillent les nuits, moi j'ai ouvert quelque chose sur WhatsApp. Un groupe de prière. Amen. Sur le WhatsApp. J'ai plus de 17 à 6 personnes pour le moment. Alléluia. Tous les jours, on prie. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui prient. Amen. Sans oublier ma soeur qui est là-bas, je la connais au sang. Alléluia. Un homme qui veut recevoir l'onction, elle doit aimer vraiment les veillées, les prières. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, on te voit, on me dit qu'il y a des hommes de Dieu qui font des programmes, qui prient un peu, qui dorment le matin, c'est l'heure. Mon ami, pendant que toi tu dors, l'ennemi travaille. Amen. L'ennemi travaille. On a parlé de ça dans Matthieu combien là? C'est juste question de Matthieu. Alléluia. Alléluia. Donc ici, la maison de Dieu, aujourd'hui, on trouve ça comme des casinos. Alléluia. Où il peut avoir des bagarres, le désordre, le commerce, des affaires. Alléluia. On vend même, tu vends même des CD. Alléluia. Alléluia. Donc, ces choses sont faites, on voit. Amen. On chante pour l'argent. Eh, mon frère, il y a eu combien de CD qui a été vendu. Mais est-ce que toi-même, c'est là que Dieu t'a amené, c'est là que Dieu t'a envoyé, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Que fais-tu? Alléluia. Donc, frères et sœurs, les chanteurs, je vous encourage. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Vraiment, mais faites de sorte en tant que Dieu, le Saint-Esprit, vous aide à accomplir réellement vos missions. Alléluia. 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 Donc ici, nous allons prendre 2 Timothée 20, 22, rapidement. Nous sommes à la présence du Seigneur. Alléluia. Et je pense que chacun d'entre nous devons être dans la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Je vais pas être long, je vais être bref. Amen. Avant tout propos, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Pour tous ses serviteurs, tous ces hommes de Dieu qui ont répondu favorablement à l'appel. Et lorsque nous avons adressé cette invitation, ils n'ont pas hésité. Alléluia. Et ça a été vraiment favorable. Nous sommes bénis. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les chefs et tous ceux-là qui vont intervenir lors de ce concert. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour la plateforme Monoko Live. Amen. Je précise que Monoko Live est dans tout ce qui est multimédia. Amen. Voilà, vous pourrez entrer en contact avec eux après. Tout ce qui est multimédia, tout ce qui est mariage, baptême, toutes ces choses. Amen. Et vous pourrez aussi retrouver ce programme sur la chaîne Monoko Live et la chaîne Negos Presence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet et ce pourquoi nous sommes là. Il est important de parler. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il s'agit d'un an de la plateforme Negos Presence. Amen. Amen. Negos Presence, c'est quoi? Alors, Negos Presence, c'est une plateforme où je dirais une organisation qui est mise sur place, sur pied, pour pouvoir permettre à tout enfant de Dieu, tous ceux qui désirent entrer dans la présence du Seigneur, amen, d'avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, et je prends même, surtout dans le milieu francophone, aujourd'hui l'adoration est bafouée. Le Seigneur ne reçoit plus l'adoration comme il le faut. Parce que les choses, même tous ceux-là même qui sont, je veux dire, les canaux par lesquels le Seigneur doit passer pour pouvoir édifier son peuple, pour pouvoir guérir son peuple, ces personnes-là aujourd'hui
On assiste à ce qu'on appelle du business spirituel dans l'église. Alléluia. Alors c'est pourquoi la plateforme Ibot Presence est née. Pourquoi? Pour pouvoir permettre à tous ces chants-là de revenir à leur premier amour. Alléluia. Parce que même dans la Bible, les chants étaient à leur poste. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont des gobris, comme la maman l'a bien dit. Allez. On voit, vous avez quand même le contenu de nos adorations. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est figé sur l'homme. Le contenu même est figé. C'est-à-dire, au lieu d'être adressé à Dieu, on a ces chants-là qui sont toujours, je veux dire, c'est le même refrain. Vous allez entendre, Seigneur, quand est-ce que j'aurai ma victoire? Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu y gagne? Dieu gagne quoi? Tu es tout le temps là en train de dire Seigneur. Depuis là, mes amis se marient, moi je ne suis pas mon marié. Vous ne pouvez pas dire la même chose. Amen. Seigneur, depuis là même, pourquoi? Mais Dieu même il gagne quoi déjà? Il ne voit pas son intérêt. Et puis vous voulez que quoi? La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quoi, le reste sera donné par quoi? Par tes yeux. Amen. Alors je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu vraiment a tout dit. Amen. Et donc aujourd'hui, votre présence est là pour que le niveau de l'adoration en Côte d'Ivoire et dans le monde entier puisse être changé. Alléluia. Je veux dire que et votre présence est là, si je peux utiliser même le mot formaté. Formaté, c'est-à-dire la mentalité du chant, la mentalité de tous ceux-là qui viennent adorer le Seigneur pour pouvoir voir, remettre un nouveau programme. Amen. Ceux qui sont informaticiens savent de quoi je parle. Quand on parle de formatage, c'est-à-dire qu'on réinitialise l'appareil et puis on remet un nouveau programme. Donc, nous devons avoir un nouveau programme. Amen. Donc, et votre présence est là pour ça. Et votre présence est là, est disponible pour que chacun d'entre nous parte. Voilà. Alléluia. Et au nom du Seigneur, cher ami, tout a été dit. Je crois que nous devons disposer nos cœurs. Nous devons nous disposer en entier pour adorer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Est capable. Je sais que mon Dieu est capable. Nation, élève la voix, il entend. Élève la voix, il entend. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais. Je sais qu'il est de mon Dieu.
Aujourd'hui, prions le ténèbre. Il entend, il change les tendées.
Thank you.
Thank you.
Alléluia, la vie de la mort de Lazare était
et certainement, parce que la présence du Saint-Esprit a été manifestée. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas encore nous séparer sans venir dire merci au Seigneur. En le célébrant, en lui disant merci encore avec nous. Quand je me suis réveillée, je me suis posé la question, je me dis, Dieu t'avait dit quoi? Ton offrande, tu vas venir crier la victoire du Seigneur dans ta vie, tu vas venir sceller cette victoire que tu as pris au travers de la louange et l'adoration. Service d'or, péché. Nous allons la prochaine fois, comme l'homme de Dieu l'a dit, vraiment. Nous allons mieux organiser les choses. Et beaucoup de choses vont se passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais profiter pour vous dire que In God Presence, c'est une plateforme. Et cette plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de projets. Alléluia. Et la vision est claire. La vision In God Presence est claire. Parce que plus tard même, nous visons la salle. Une très grande salle où nous allons faire nos adorations. Alléluia, nos moments d'adoration. Nous visons nos instruments. Alléluia. Nous visons beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un lieu de répétition pour pouvoir répéter. Vous savez, c'est un petit noyau qui a commencé. Parce que ce noyau va apporter le réveil au niveau de l'adoration. Ce n'est pas facile. Comment ce concert a fait pour être là, vraiment, je ne sais pas. Je vous assure, même jusqu'à la dernière minute, je ne pensais même pas qu'on allait faire ce concert. Parce que les choses étaient bloquées sur tous les plans. Tous ceux qui devaient prester, même mes chants, ils ont été attaqués de maladies, je vous assure. Leur gorge, tout a été attaqué. Il y a certains même qui n'arrivaient plus à parler, à chanter. Il y a des malades parmi elles. Mais ils ont tenu à être là, je vous assure. On a bravé toutes ces choses. Alléluia. Et je vous assure, à la veille même de la chose, notre maman Prisca, est-ce qu'elle peut lever la main? Je vous assure, elle devait être là même ici aussi. Mais quelque chose s'est passé. Dans son sommeil, elle voulait boire de l'eau, elle allait boire l'eau de Javel. Je vous assure. Mais par la grâce de Dieu, elle est là. Amen. Je veux dire que ça a été un marathon. C'était chaud. Mais le Seigneur a permis, le Seigneur a gagné à la paix. Alléluia. Non, le chant n'est pas venu en paix. Alléluia. Quand je parle, pour ceux qui savent, si vous sentez bien dans ma voix, vous allez voir que je suis très grippé. Mais le Seigneur a fait. Alléluia. La gorge, tout est bloqué. Mais le Seigneur a débloqué. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Je veux dire merci aux instrumentistes. Je veux dire merci aux chants. C'était pas évident. Mais le concert a été par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tous ceux-là qui voulaient soutenir la plateforme In God's Presence, vous pouvez venir nous voir après. Alléluia. Amen. Amen. Merci à tout le monde. J'appelle la dirigeante. Je l'appelle affectueusement mon patron. C'est lui qui m'a appris à chanter. C'est mon fils, mais c'est aussi mon patron. Alléluia. Soyons même dans la maison du Seigneur. C'est la grâce qu'il a reçue.
Amen. On acclame le Seigneur pour sa vision. Et que tes mains arrivent de l'avant et que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. On te dit merci. Merci parce que dans ta présence, nous recevons des présences. Merci parce que tu as comblé notre cœur de joie au nom de Jésus-Christ. Voici le dernier jour de janvier et nous disons bye bye à janvier. Vous welcome en février. Nous sommes heureux de ce que nous avons, Seigneur, dépensé ce moment avec toi. La Bible déclare que nous n'avons pas parlé de plus que mille ailleurs. Et nous avons dépensé plusieurs heures avec toi. Nous imaginons combien de bénédictions nous pouvons récolter. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ceux qui ont reçu la délivrance, que cette délivrance soit permanente au nom de Jésus-Christ. Que le dépôt de la grâce de Dieu dans ta vie se manifeste dans ce mois de février qui s'annonce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le thème de notre année 2021 dans cette église, c'est les manifestations divines. Pris dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9, qui dit non que le monde attend avec un attente désir la manifestation des enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que ce réveil qui s'est produit dans ta vie maintenant soit permanent au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus. Tu ne marcheras sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra te nuire dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage dans le nom de Jésus. Je prie que tous ces chants prophétiques que nous avons reçus, tout ce que nous avons reçu, cette joie, je prie que cette joie se manifeste dans nos vies jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus-Christ. Qu'on reçoive de Dieu sa grâce et qu'il pleuve sur nous des bénédictions immenses dans le nom de Jésus-Christ, qu'on prise ensemble. Tu sais quoi, ton amen va détruire les forteresses sataniques au nom de Jésus-Christ.